Je dis que les amis, parfois certains benguistes te montrent, te présentent tellement l'image de Beng, te parlent tellement de Beng au point où tu es même tenté de tout abandonner, de tout vendre pour aller vivre en Beng ou bien pour aller découvrir aussi Beng. Mais quand tu tombes sur certaines images comme celle que je vais vous présenter là, vraiment, les amis, regardez un peu. Quand tu tombes sur ce genre d'image, ça t'amène un peu à réfléchir encore, à tourner encore le boulon de ton cerveau mille fois avant de prendre certains engagements. Je vais commencer par cette image-ci. Dites-moi un peu, ça c'est le grand frère qu'on appelle Yélé. Un grand comédien, hein? Il était un grand comédien. Bon, bref, c'est un grand comédien. Il a travaillé avec Fingon Tralala pendant longtemps. J'aimais beaucoup les vidéos de Yélé quand il était au Cameroun. Bon, on va pas l'appeler gigolo comme les autres. Parce que les autres, là, vraiment, c'est des vrais gigolos. Mais lui, depuis qu'il est arrivé à Beng, je me pose toujours la question que mais le grand frère s'y fait même quoi à Beng, non? Écoutez un peu ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à Beng. Parfois, tu vois la véranda en train de jouer aux cailloux, lancer les cailloux, il ramasse. Je suis tombé sur l'autre vidéo, si ça m'a dépassé, mon frère. Vous même comprenez ce qu'il fait. Dim, 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 boum, 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 boum. Vous voyez. Regardez ce que notre grand frère fait. Vous voyez, c'est son temps de repos. Sa pose, c'est à sa pose qui fait ça. Parce que depuis que le grand frère est en Beng, il ne sait pratiquement pas ce qu'il fait. Hein? Le grand frère fait le. Ça regarde, tu tombes sur ce genre d'image. Tu dis que, hey, Beng là, peut-être n'est vraiment pas facile. Comment nous faire croire les. Maintenant, et encore l'autre. On dit souvent que quand tu arrives, mon frère, pour avoir les kaolo, ce n'est pas facile. Regardez comment le mec s'y souffre. C'est-à-dire que tu arrives comme ça en Beng, tu n'as pas de domicile, SDF. Ungo accepte que je vais te loger. Bim, un matin, si tu ne fais pas ce qu'elle te demande, et vous savez bien, en Beng, mon ami, la femme a le pouvoir. Tu peux construire ta propre maison, même en Beng, ta femme te chasse, hein? C'est-à-dire que tu as fini de construire, tu t'es battu dans ta vie, tu as cherché ton argent, tout, construire, venir en Afrique, prendre un gars. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment tu as fait pour construire ta maison. Elle arrive, dès que tu fais tous les papiers, tout, comme c'est dit à ta femme, machin, elle peut te mettre à la porte et rester avec ta maison. Le système de Beng là va toujours dépasser. Regardez comment on chiffonne un mec. Non, les gars, sérieux. Vous appelez ça quoi? Sérieux, les gars vont se moquer de moi que la voiture n'est pas climatisée. J'ai arrêté le moteur. Donc, regardez, comment manque du respect à un mec charismatique. Maintenant, je vais vous faire écouter encore une autre vidéo. Ouais. C'est-à-dire que parfois, quand la femme t'aime, vous voyez souvent qu'une go fout un boy à la porte comme un malpropre comme ça là. Ne vous posez pas trop de questions. Elle est bonne, ils se prennent pour la tête. C'est-à-dire que quand la femme t'aime, tu te crois le Dieu sur terre. Tu crois, je ne sais pas. Regardez un peu cette vidéo. Regardez. La colère, c'est juste arrivé comme ça, c'est tout. Ce n'est pas que je t'ai mal dit. S'il te plaît. Oui, mais s'il te plaît. J'ai dit NRS. Donc, maintenant, pour vous, des technologies, c'est que vous avez pris maintenant vos relations amoureuse ou sentimentale pour faire le buzz. Donc, c'est par là où tu es passé, où tu penses qu'en postant ma vidéo à moitié nue, c'est pour me rabaisser ou c'est pour faire quoi? C'est toi l'artiste, non? C'est toi qui vais te faire un nom, non? Tu as trouvé que tu ne peux plus m'arnaquer comme tu m'arnaquais, tu me trompais avant. Ta carrière artistique, c'est moi qui ai géré. Le salon de coiffure que tu prends l'argent aujourd'hui pour aller nourrir ton modèle, c'est mon argent. Ma petite soeur est témoin, elle peut venir témoigner. Tes soeurs peuvent venir témoigner ici. C'est mon argent. Je t'habille, je te nourris.
Mais aujourd'hui, tu postes mes vidéos à moitié nu. Tu ne penses pas à ma famille, tu ne penses pas à mes amis. Parce que tu veux te faire des vues. D'autres vont s'asseoir penser que c'est le buzz. Pour vous, le buzz, c'est quoi? D'autres vont s'asseoir m'appeler Sugar Mommy, vieille femme. Je suis la première femme qui soutient son nom, financièrement ou physiquement. Je suis la première. Mais quand c'est l'histoire des autres, vous êtes prêts à ouvrir vos gueules pour parler. Je l'ai fait par amour. J'ai soutenu mon homme par amour. Mais si dans sa tête, il a pensé que c'est facile d'être trop mignon, tant mieux. Tant mieux, mais c'était bon. Ne pense pas qu'en faisant ce que tu fais là, tu vas me rabaisser ou tu vas faire quoi. Tu manges. Je ne suis pas laide femme. Je ne suis pas vieille. Je ne suis pas sale. Oui. Donc moi-même, je me sens de la manière que tu es mignon. Moi-même, je suis belle. Je me sens. Donc continue ce que tu vas faire. Je ne suis pas une fille paresseuse. Qu'on m'a dit que j'aurais du mal à voir un homme parce que mon gars m'a quitté. Tu fiches ton camp. Oh, famille. Pardon, je vais vous présenter un peu quelques vidéos de nos frères qui voient là-bas un mec. C'est juste quelques extraits. Il y a une autre là qui voulait aussi présenter. Le boy est toujours là, il ne rit jamais, mais je lui ai présenté ça. La dernière fois, il m'a insulté. Il a dit que non, viens, ne présente depuis moi le couple. Voilà. Et pas savoir leur temps à danser sur Facebook. Que oh, mon amour, mon bébé, le mec ne sourit jamais. C'est toujours la gars qui est dans son dolo seul. L'ondolo, hein. Mbeng n'est pas facile. Pour avoir le kaolo, Mbeng, mon ami. Mon ami me disait qu'il a tout mal une matinée de 95 ans pendant presque 6 ans. Pour avoir le kaolo. Pour avoir les papiers. Mbeng, 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 c'est le caillou. Les amis, on est ensemble. C'est juste un petit moment de divertissement. Voilà, ciao. Abonne-toi, hein. Si tu es nouveau, abonne-toi. C'est ça, il faut encourager Franco. Abonne-toi seulement, tu partages la vidéo. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère. Regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire. Je n'ai même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe, docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, rapproche la caméra. Je suis M. Takuke Matiedi, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui dis, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème à tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibrome, de kyste, de cancer, de troubles de vie, d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de sperme, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant 3 mois. Ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'est des traitements qu'il fait généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la Recherche à lancer avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors donc, pour tout problème de santé, venez nous voir, vous ne serez pas dessus. Je consulte à Mandier le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai trois minutes dans la vidéo. Et à vous, je soigne les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien, il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher, dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.